الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. Inch'Allah, nous pouvons étudier un point important d'Aqida d'un musulman. Imam Tahawi, un parmi les imams qui invine bien avant, environ 1000 années de cela, dans ce livre Aqida Tahawiya, dit-nous concernant Allah Rabbul Alamin, wala shay'a mithluhu, penanoye qui paraît comme Allah Rabbul Alamin. Donc, ce point-là maintenant, l'éprouvé par ayat Qur'an. Par exemple, surah 42, ayat numéro 11, Allah Rabbul Alamin dit, laysa ka mithlihi shay, wa huwa sami'ul basir. Penanoye qui paraît comme Allah, et Allah l'étendait et l'observait. Alors, ayat Coran clair, pena noye qui paraît comme Allah. Man créature, je ne pas ressembler à Allah Rabbul Alamin. En deuxième place, Allah Rabbul Alamin dit nous, walam yakullahu kufuan ahad, pena noye qui égal à Allah. Et nous, ban ulama, fin explique ça, nous gagnons parmi alim qui nous tenons. Accepter li Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayh, li. Fin expliquer clairement qu'Allah Rabbul Alamin est exempté de ressemblance avec man créature. Maintenant, quand nous causons Allah Rabbul Alamin n'est pas ressemblé à aucune créature, mais dans la création, nous gagnons ce qu'il nous appelle la lumière aussi. La lumière. Alors, c'est simple qui nous explique, nous dire, mais n'a doute qu'il y a la lumière, soleil, la lune, right? Tout un type de la lumière qui nous est autour de nous. Tout ça là, finit être créé par Allah. Donc, la lumière là, il faut une partie dans la création. Coran clair là, non, il n'est pas pareil comme Allah. Allah est exempté de ressemblance avec ma créature. Donc, nous n'avons pas le droit de dire qu'Allah est la lumière dans le sens qui est comme ben la lumière qui nous trouve autour de nous. Imam Bayhaqi, rahimahullah, il explique ça même. Imam Bayhaqi, un savant qui est décédé l'année 458 Hijri, expliquait l'idée n'est pas permissible pour imaginer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lien la lumière parmi la lumière, parce que la lumière sur opposée, c'est l'obscurité qui remplace et élimine la lumière, et Allah, Rabbul Alamin, est exempté d'avoir un rival et égal. Ensuite, nous gagnons un alim, Allama Ghulam Rasul Saidi Rahmatullah Alay, un alim sunni, un très grand alim de Pakistan. Il explique-nous dans ce tafsir qui vient dans le Coran, volume 8, page 140. Il dit-nous, l'ipécote Imam Razi, Imam Fakhruddin Razi Rahmatullah Alay, un savant qui n'a pas wafat l'année 606 Hijri. Et c'est un savant qui même, manka djani, j'ai habitué, côte depuis ce tafsir. Qui se tafsir, c'est Mafatihul Ghaib, plus connu comme tafsir Kabir. Alors, Allama Ghulam Rasul Saidi, l'ipéko depuis Imam Fakhruddin Razi. Voilà, ça c'est tafsir de Imam Razi. Hein? Voilà, tafsir Razi. Et là-dedans, page 225, c'est volume 3, volume 23. لبيكوز دا تفسير الله نور السماوات والأرض إلي بيكسبيك نوسا آية لا دون الله نور السماوات والأرض ستنجمون فينا الكمبران فرسا لترالي كي الله للا لمير دمان لسيل إلى تير الله للا لمير دمان لسيل إلى تير ألو إمام فخر الدين راسي رحمة الله عليه لجنو جتي نوبا كباف dire qu'Allah lit la lumière. Si on prend le mot nour dans ce sens-là, qui nous pas connaît qui nour mine, right? On peut déjà lire dans le sens de la lumière, tout ça. Nous pas connaît qui les mine, ok. Mais seulement si on peut traduire par light, par la lumière, là, il y a un problème. Parce que quand on dit light, quand on dit la lumière, ben, du monde pour penser, la lumière, c'est pareil comme avant la lumière. Et la lumière, right? La lumière. Donc, Imam Fakhruddin Razi, rahmatullah alayhi, il explique, il dit, vu que dans le Coran même, Allah fin dit, wa ja'ala al-zulumat wa al-nur,
qui signifie Allah fin crée l'obscurité et Allah fin crée la lumière, nous. Il dit donc, وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَاهِيَةَ النُّورِ مَجْعُولَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْإِلَهُ نُورًا. Imam Fakhruddin Razi dit, ayat Coran, ja'ala dhulumat wa nour, l'éclair lola, l'issari lola, qui mahiya de nour, réalité de nour, finit créé par Allah Rabbul Alamin. Il y a une créature, la lumière c'est une créature. Donc, l'impossible qui Allah lit la lumière. L'impossible qui Dieu lit la lumière. Parce que, comme on en prend, qui paraît comme à Allah, la lumière c'est une créature, donc il est impossible qu'Allah Rabbul Alamin lit la lumière. Alors, c'est simple qui après nous expliquer, mais tu mets une pause, nous cite Allama Ghulam Rasul Saidi, qui lui-même il prend des Imam Fakhruddin Razi, il dit que puisque Nour, la lumière c'est une créature, alors il est impossible pour appliquer ce terme-là à Allah. Allah fin dire qui signifie, right, voilà, Allah fin crée l'obscurité et la lumière, Coran, sura 6, ayat numéro 1. Donc, selon sa verset là, l'éclair, qui la lumière, c'est une créature, et Allah est le créateur de la lumière, et Allah lui-même n'est pas la lumière, parce que la lumière, c'est une créature. Nous cite ça, finalement, certains du monde fin objecté. Kadjani fin objecté. Je ne pense, je ne gagne un point pour craser la tête Abdul Mustafa, parce que. Soi-disant, Abdul Mustafa fait contre Coran. Allah Rabbul Alamin, finja Allahu Nuru Samawati wal Ard. Banna, il nègre traduction. Allah, les light de ban heaven et la terre, tout ça. Nous fait contre ayat Coran. Nous fait contre Coran, ce qu'il y a dans Coran. Alors, pour savoir qu'à Janina, moi, j'ai envie de montrer ça, une petite chose. Maintenant, devant moi, là, alors là, il peut commencer, volume 22 à 25, c'est Tafsir Kabir. Le propre Tafsir Kabir, ça. Et dans le website, pas le propre Khalifa. Right? Pas le propre Khalifa, on download depuis là-bas. Il y a nous, Nour, alors là, donc voilà, page 315, il peut expliquer nous. یہ نور کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس مادی چیز کا نام ہے جو بعض مادی چیزوں کے رگڑ کھانے سے پیدا ہوتا ہے یا کہ نور کسے بھی لمو نور لا لیمیر میں نور سے پر ریفیر آ سا لا لیمیر سے کی نو تروبو تو دنو کریاتویا لا نو پھر خدا تعالی نور کیوں کر ہوا نو کمالی پسیب کی اللہ لی نور آیت لی پہ کوئی سامیم آیت لالا الله نور السماوات والأرض عندي بكو سامن الو لا لا لي اكسبليكي لي جيا نحويون نے تو اسے اس طرح حل کیا ہے کہ انہوں نے نور سے پہلے ایک محذوف نکالا ہے والا کی فیر d'après au propre khalifa qui fait six traductions pas suffit on prétend comprendre Coran six basant nos traductions ou pas qu'on arabe même ou pas qu'on ait la langue arabe comment fonctionner Zis, basant leur traduction, on finit comprendre. Et Zis, basant leur traduction, on peut condamner au prochain. La langue arabe n'est pas pareille comme les autres langues. Et dire, selon ban grammairien, il y a un mot qui sous-entendu, qui mahdouf là. C'est-à-dire, au propre savant, dire, ayat là, Allahu nuru samawati wal ard, sa signification c'est Allahu sahibu nuri samawati wal ard. Yani, یعنی آسمانوں اور زمین کے سب نور خدا تعالیٰ کے قبضے و تصرف میں ہے right? alors il y a un mot sous-entendu là-bas et son meaning complet c'est Allah li contrôle tout ban nour tout ban la lumière qui est dans la terre et le ciel comprends donc Allah lui-même li peine la lumière parce que Allah li pas comme une créature ensuite Il continue, il dit, Ma'ani wali. Vous connaissez Ma'ani wali qui veut dire? Ma'ani wali qui veut dire? Man, genre de signification. Ma'ani, ici, il peut cause ilm et balara. Il peut cause un savant de balara. Il dit, un savant de balara,
Maintenant, ici, Fin prend le mot nour d'un saut. Majaz, en termes majaz, métaphorique et istiara. Hein, pas tout se prend métaphorique. Ici, pas me prend métaphorique là. Hein? Il y a donc, dit dans le sens métaphorique, Or mourad yehe ke jis tarha nour ke zariye insan ko buri aur bhali cheezon mein imtiaz karne ka mauqa milta hai, isi tarha neki aur badi mein imtiaz khuda taala ki hidayat. Hidayat. Donc, nour lit dans le sens de hidayat. Il pas ça la lumière. Right? Comme a dit mon pensée, certaines pensées, qu'Allah lien boule la lumière, yen la lumière, na'ouzou billah. Non, il dans le sens de hidayat. Daouli venasa. Ensuite, il dit l'ouat wali. Right? Man savant la langue arabe. Manadia yen muhawara. Il y a une expression. Right? Il y a une expression. Il pas dans ce sens littéral. Il pas dans ce sens littéral. Alors, il explique. Il dit pareil comme nous dit nourul balad. La lumière de la ville, literally. Us admi ko kehte hain. Jis par kisi shahar ke logon ka inhisar ho. Right? Aur nourul qabail. Us shakhs ko kehte hain. Jo qabail ke liye ba'is-e faqr ho. Donc, ou vous dire par exemple, la lumière de la ville, c'est un jemoun qui, un jemoun de la ville, je dépend de l'oni. Allo, ici, il peut dire où, qui donc, jemoun, khuda ta'ala ke fazl ke bagher, insan ko kisi kam mein bhi kamyabi hasil nahi ho sakti. Ici, liye, usse asmano aur zameen ka nour kaha gaya hai. Donc, il y a sens. Dans ce sens métaphorique, une expression qui peut vous le dire où Dimoun, je disais Allah Rabbul Alamin, sauf faveur pour réussir. Donc, il s'est venu en termes de fazl, nour en termes de faveur. Et après, au Khalifa dia, il s'est battu un peu jaga durust. Il y a tout ça, ce qui est là, le durust, le correct. Il n'est pas dans le sens littéral, Allah Rabbul Alamin, bien la ligne. Vous verrez, il comprend Allah Rabbul Alamin pour accepter la vérité.